Bonjour, je suis Patrick, je suis spécialiste en réadaptation fonctionnelle pour Handicap International Luxembourg et je me rends la semaine prochaine en Thaïlande pour... Thaïlande, c'est le pays historique de Handicap International. Moi, je me rends plutôt du côté ouest, sur la frontière birmane, pour travailler pour les réfugiés. Alors, on a beaucoup de projets pour les réfugiés de Birmanie, qui sont de plus en plus nombreux depuis le coup d'État de 2021, donc les réfugiés Karéni et Karen. Ma mission aura trois objectifs. Un premier objectif qui est de monitorer les projets soutenus par le Luxembourg, à savoir un projet à long terme à l'intérieur de la Birmanie, du Myanmar, qui vise à la réadaptation et l'insertion socio-économique des personnes handicapées, et deux projets d'aide humanitaire qui s'adressent plus spécifiquement aux réfugiés, donc aux personnes déplacées et réfugiées des conflits à la frontière avec la Birmanie. Un deuxième objectif sera d'appuyer mes collaborateurs, donc collaborateurs kinésithérapeutes, techniciens appareilleurs qui travaillent sur place, pour les aider à améliorer la qualité de la prise en charge de tous ces réfugiés handicapés. Et enfin, la troisième objectif, c'est que nous allons accompagner une start-up britannique qui a développé un système original pour appareiller les amputés de membres supérieurs avec un système facile et qui pourrait être très intéressant dans tous les contextes où travaille Handicap International. Donc nous allons faire un premier essai de cette technologie un peu innovante dans les camps de réfugiés afin de voir si nous pouvons valider cette technique et l'intégrer dans notre catalogue de produits Handicap International. Kopkun Makrap.